Un chiffre maintenant, plus 148% de flash en plus en Indre-et-Loire. On parle bien des radars. Les chiffres ont explosé en 2012. On est passé de plus de 120 000 infractions sur la vitesse en 2011 à plus de 300 000 en 2012. Conséquence selon la préfecture de l'installation de nouveaux radars et de l'abaissement de la vitesse sur l'A10 à 90 km/h dans la traversée de l'agglomération Tourangelle. On vous parlait d'ailleurs il y a peu du record de flash enregistré en France par le radar de l'A10 situé en bas de la descente de Saint-Avertin dans le sens Bordeaux-Paris donc.